Chaque vendredi, sorti 3h pour arriver 4h dans l'après-midi, direction communication ministère Kilti pote pour vous, Parole Kilti, sur antenne Radio Nationale d'Haïti. Parole Kilti, c'est un magazine culturel côté tout acteur qui concerné dans affaires Kilti pays d'Haïti a brassé l'idée sur évolution sectaire. Parole Kilti, une tribune pour nous informer avec un calfou pour nous discuter sur rôle et contribution Kilti dans renforcer identité nous comme peuple. Parole Kilti après passer chaque jeudi, sorti 5h pour arriver 6h le matin. Parole Kilti nous, c'est parole nous croit, ça nous qu'on fait avec ça nous. Mes auditeurs, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. C'est 5e numéro Parole Kilti qui rentre la caillou. Donc émission ça, vous commencez à habituer avec lui sur antenne Radio Nationale. Donc nous pas besoin de suspendre rappelons que son initiative et ministère culture et communication dans tête collé à Radio Nationale. Donc Jean Spot annonciateur émission en dit là. Donc son émission qui là qui sont sorte de carrefour pour discuter sur des thématiques qui ont rapport à culture dans le pays d'Haïti et son tribune tout pour informer sur ça qu'a fait dans le secteur public culture en Haïti. Donc pendant tout premier numéro yo, nous avons une série de activités, nous avons une série de personnages, nous avons une série d'institutions. Donc nous avons une série que nous initier notamment sous des organismes déconcentrés du ministère de la Culture et de la Communication, notamment BHDA, qui c'est Bureau haïtien du droit d'auteur, nous avons une émission SAYO, nous avons ISPANTOU. Donc nous avons qui activité que ensemble d'institutions SAYO qui dans le secteur public de la culture a mené dans le pays. Donc nous avons arrivé tout dans la dernière émission, quand nous avons fait un coup de jet sous gestion culturelle, ça a eu les communément management culturel là, avec un spécialiste dans la politique culturelle qui c'est Yves Lafortune. Jodi en là, on a pral mettre projecteur sur une activité, du moins sur un programme ministère de la culture qui c'est Institut National de Musique d'Haïti, INAMU. Donc Jeanne Sodounan, son tribune pour informer sur activité et cap mené, cap fait dans le secteur public de la culture. Pour l'émission, ça arrive possible, c'est tout staff direction communication qui est mobilisé. On a remercié Kensky, Anselme qui a fait manœuvre technique pour nous. Donc, mon cap présente pour l'émission, ça jeudi, hein, c'est Jeff Lefebvre. Donc, jeudi, hein, nous avons avec nous deux cadres dans le ministère de la Culture et de la Communication, mais surtout un musicien avec nous tout parce que je vais parler de musique, qui c'est Pierre Gauchery et Fritz Evans Moïse. Fritz Evans Moïse, c'est un cadre dans le ministère de la Culture et de la Communication qui travaille sur le programme INAMU1. Même bagarre en tout pour Pierre Gauchery qui c'est non seulement qui sont musiciens parce que nous allons parler de musique mais qui sont quatre dans le ministère de la culture et de la communication qui travaillent dans le cadre programme ça tout. Donc amis auditeurs, c'est pratiquement ça qui va constituer menu émission Parole Kilti pour jeudi vendredi. Hein. Restez avec nous, on a préparé l'émission ça, il passer sur antenne Radio Nationale chaque vendredi sorti 3h pour arriver 4h dans l'après-midi et il rediffuser tout chaque jeudi sorti 5h pour arriver 6h dans matin. Donc après l'observer un coup de pause pour qu'elle est là, on a retourner après pour cette émission. Générique ça a peut-être aussi attendu dans la pause que nous sommes prêts, c'est composition Pierre Gauchery. Donc nous content de ce que nous gagnons avec nous dans le cadre numéro Parole Kilti ça aujourd'hui. Hein. Donc et Pierre Gauchery, c'est compositeur générique là que vous habitué attendez dans le cadre émission ça qui qu'on commence à habituer avec son antenne Radio Nationale parce que c'est déjà le 5e numéro. Hein. Avant nous entrer de plein pied dans l'interview aujourd'hui, hein, dans l'entretien aujourd'hui hein, qui a un rapport avec INAMU qui sont programme dans le ministère de la Culture. Et Pierre Gauchery, n'a dit rapidement bonsoir et bienvenue dans Parole Kilti. Eh bien, Jeff, son plaisir pour me l'avoir aujourd'hui dans Parole Kilti parce que fuck parole la valé et grand pile parole qu'a parlé mais parole Kilti a pas suffisamment parlé pour moun yo qu'on racine yo parce que de jour en jour conseil de moun l'a parlé des cultures
Je pensais qu'il y a diabolisé Racinio, son bagage qui est très catastrophique. Et je dis, je suis très content là avec vous, avec Evans, tout, pour nous débattre sur la question. Parce que Evans, Moïse sont culturels liés. Et je pense que choix bien fait dans l'émission, ça, parce que je pense que nous, vraiment, nous à la hauteur de nous prendre responsabilité vraiment pour nous. Bah, fournir mon nom et l'explication sur question ni Namu et puis sur question culturelle. Justement, justement. Donc, nous allons passer la parole rapidement à Fritz Evans Moïse. Parle-toi, donc, nous avons invité Fritz Evans Moïse pour parle-toi. Oui, je dis là, c'est pour Namu. Evans, comment nous sommes? Nous sommes Jeff, merci pour l'invitation. Et puis, nous saluons tous les auditeurs et Radio Nationale. Et puis, je pense que nous allons faire un bel débat sur ce qu'il dit et puis sur musique, sur formation artistique, tout ça. C'est ça. Donc, nous avons profité l'occasion pour nous saluer toutes. Employé ministère de la Culture et de la Communication, et ministre culture Limon Toussaint, directeur général ministère de la Culture et de la Communication, et Jean-Michel Lapin. Donc, c'est tout le monde, ça, c'est toute autorité ça, qui mettait ensemble, du moins pour permettre que l'émission ça arrive possible jeudi. Donc, nous avons parlé tout à l'heure de générique. Là. Moi, ma petite de générique, là, c'est tant qu'on son jazz mélange à rara. Par contre, on n'aime pas trop fort dans la musique. Font-il parler de son ça? Très bien. On connaît depuis longtemps, moi-même, m'a fait au chef sous rite haïtien. Dans la recherche que je fais sur Ritio, je finis par constater que Ritio a un langage que je parle. Ritio a à la fois mélodique et puis harmonique. Tout. Vous connaissez le domaine rythmique, je ne parle pas de ça. Même le matin dans le rite haïtien, c'est comme si je m'entendais des gens qui parlent, rite là qui parlent. C'est ça qui m'a servi avec l'expérience, je m'a fait musique. Les défunts au tabou, les tambours, les concours de tambour, qui dit parole ça? Ah, Haïti pas fait back, back, pas back, Haïti a fait back. Qui veut dire que c'est dans ce sens ça, le festival de jazz que tu as organisé, des gros occasions, je t'ai mené un saxophoniste suisse là quand même. Et puis me dit, monsieur, moi j'ai une recherche que m'a fait, mais que j'aime concevoir, est-ce que tu es capable de jouer sous Ritsayo, de dialoguer avec Ritsayo? Je dis, je ne comprends pas qu'il y a un sous harmonique. Je dis, monsieur, il y a un sous harmonique qui est en bouillon. Je me fais, monsieur, tant d'harmonie. Monsieur dit, vraiment, vraiment, ça me dit, c'est ça. Et puis, nous laguer. Nous laguer. Mais ça, mes musiques, on attendait à mes résultats. Mais avant que je fasse expérience à monsieur, je ne fais pas monsieur tendre, ça me fait. Parce que si je ne fais pas influencer monsieur. Et puis c'est comme ça, et puis création a bien sorti. Il y a plein de monde qui a fait une création, ça a sorti. Mais c'est bien regrettant qu'en Haïti, il n'y a pas préparé pour genre de travail. Ça. Donc, Evans Inamu, donc au son cadre ministère de la Culture. Et rapidement, et dis-nous, qui ça Inamu est? Inamu, c'est un projet à la fois de formation et d'insertion sociale. C'est un projet, et le président Michel Martelly, dans un rencontre avec le président Hugo Chavez à l'époque, tu es venu découvrir de l'orchestre symphonique au Venezuela, un paquet de monde, et puis tu as besoin de reproduire le projet ça en Haïti. C'est comme ça, la rencontre qu'il a gagné avec PAMA, responsable communauté petits frères et sœurs, on a commencé Chita sur élaborer un projet comme ça en Haïti. Et PAMA a offert espace li qui c'est dans Penjassou pour capable réaliser projet ça. Depuis là ça, il a mu et respecté objectif li qui s'est inséré plus passé 800 timoun et dans qui sont formation tout ça et puis ba yo possibilité pour capable sortir dans question délinquance dans question et faire vagabondage tout ça c'est que quelque part c'est ba timoun yo yon alternative par rapport avec difficulté sociale qui gagne et puis ba yo possibilité tout pour capable gagne un bagage dans son métier un métier qui c'est musique qui c'est art en général alors et je ne dis pas qui est très important philosophie programme là c'est retirer couteau dans main timounyo retirer revolver retirer kachapika mettez un instrument de musique dans main timounyo ça marche dans pile pays surtout au Venezuela alors expérience ça les présidents t'allon rencontre Venezuela ils t'ont invité dans le programme dit même lui connaît que le bal dans concert dit connaît que c'est des gratis le gars de l'ouest 600 timoun allié qui a joué et puis monsieur fait folie. Folia vient tout en réalité grâce à technicien ministère de la Culture. Parce que, faut me dire que les INAMU t'es fait, son projet, monsieur, t'es fait un cadeau. Projet n'a pas été capable de structurer. Il vient structurer le ministère de la Culture. Et c'est technicien ministère de la Culture qui peut faire tout nos programme qui fait que
et Inamu capable vivant qu'on y a là. Nous comprenons l'actuel qu'on y a là. Et c'est une très bonne initiative parce que actuellement là, sous monter là en plateau central, on va parler de musique, on va jouer un petit monde vraiment qui parle le langage musical. Là. Que ce soit en théorique, que ce soit en pratique. Si vous parlez de la plateau centrale, si vous avez un instrument qui est difficile, ton tuba, encore l'abdou, ça son corps, ça son tuba, ça son clarinette, longtemps pas de bien ça. Et si vous avez éveillé, l'évaluation que nous faisons pour Timounio, nous posons une question, nous disons, qui raison d'être là, Inamu, si vous avez réponse à Timoun Zaro, voici si. Moi-même, je m'appelle un pile, je dis comme ça que la musique a fait, ou fait, pas fait, bagabon encore. Ou tu as pensé que la musique là, t'a empêché d'étudier? Musique a pas empêché d'étudier. Qu'on y a, me pense dans 10 ans, n'a bien meilleur musicien rap sorti dans cellule, oui, Inamu. Bon, avant nous continuer sur Inamu, donc nous gagne pile bagaille pour nous dire sur Inamu. Ça intéresse pour me connaître et nous penser que musique véritablement gon rôle que le ca jouer dans sauver la jeunesse dans pays d'Haïti. Oh, en pile. Musique sont gros outils d'éducation, son gros outil de communication, son gros outil de sensibilisation. Et son artiste qu'on est, ou à mélanger musique avec théâtre, parce que moi je fais expérience avec John déjà. Et Claude Pierre, tu as un texte écrit, Langue Baguenzo. Nous faisons expérience, pas en le regretter Claude Pierre. Regretter Claude Pierre, nous faisons mise en scène sous texte ça. Je t'ai demandé nous là l'autre jour là en moi créole là. Moi-même comme étant donné un petit problème, pas de répondre positivement. Musique là, c'est une meilleur métier, profession artistique qui est vraiment capable changer la vie. Alors, ou plus soit le temps qu'on métier qu'on non, discipline mais de vie. Musique son métier, musique son profession, c'est une profession artistique. Alors, je dis là, il y a des gens qui disent que, bon, un pile musicien haïtien, donc ils ont fait toute carrière, ils ont été adulés, ils ont pile popularité, mais au soir de leur vie, ils ont sombré peut-être dans la pauvreté. Sans question de gestion, Dieu n'est capable de ça. Nous-mêmes là, qui là, si nous voyageons qu'on n'a pas qu'un pays, nous ne pouvons pas dépasser 50, nous sommes capables d'approfondir sur la question. C'est clair, c'est que la musique là sont alternatives, surtout et pour nous-mêmes en Haïti, côté pas gagné en pile institution et public et dans la question de profession. C'est que dans ce sens, nous, c'est ça que fait le ministère de la Culture, mettez tous les éléments pour nous capables vraiment d'une institution. Parce que nous, on est inamis d'un conseil. Le conseil est composé de direction générale là, il est composé de cadres administratifs et puis il est composé de conseil technique inamur. À part le conseil technique là, nous gagnons de monde souterrain, nous voyons chaque week-end pour aller faire suivi projet en collaboration avec la communauté petit frère et sœur. Là, on concentre toute capacité ministère, toute ressource ministère, c'est parce que clairement, nous voulons bâtir mon nous en chance. Et effectivement, combien de monde en Haïti qui a dit c'est à partir de là, ils n'ont pas tombé dans la délinquance. C'est à partir de là, ils n'ont pas tombé dans la question de criminalité. C'est que, effectivement, nous, notre situation, nous avons essayé de bâtir mon l'espoir. Après c'est bail l'espoir et ceci nous pas de seulement un c'est ça qui fait nous plusieurs noyaux d'a monter dans plusieurs côtés dans pays et même de cadre ministère a choisi pour capable accompagner team nous c'est le cadre qui fait vie à travailler dans ça Pierre Gaucheris donc on est expérience petit qui fait ville qui a presque plus que 30 ans dans question travailler avec Timoun bail Timoun possibilité pour yo capable bon alternative demain moi même personnellement moi son monde qui fait vie m'a travaille avec deux jeunes de Timoun dans quartier populaire dans question art et puis nous et troisième membre donc c'est Dani Saint-Fleur qui fait ville dans cette trinité à travailler avec Timoun qui est le dans cette trinité pour apprendre musique et puis jusqu'à présent à travailler avec des Timoun dans cette trinité quelque part nous ministère avec tout élément yo qu'on est là pour ne pas faire démagogie pour ne faire bagarre sérieux ça fait moi merci Radio Nationale qui comprennent ça qui invite nous ça me donne mais ajouter tout l'expérience que nous fait à partir que de n'a pas assuré direction technique et dans Inamu nous déorganisons quand d'été côté dans quand d'été à dans menu pas de musique seulement tu as un théâtre tu as une danse faut avoir un goût menti mon yo ni pour théâtre ni danse sont pas extraordinaires et ça toujours qui était tous les jours était dans tête yo
ou pas foutu font camp d'été inamu son pas gain théâtre avec dans ça pas foutu faire ça est-ce que comprendre parce que tout élément ça compléter l'autre et me penser que un musicien actuellement comme on dit que musicien ou pas qu'à vivre c'est mauvaise gestion nego fait suffisamment d'argent parce que m'a regardé une enquête que nego fait enquête a révélé que gros paquet de bande musicien qui dans chômage mais gain pas dans chômage jou. Ça pas dans chômage yo yo me dit mais ça au fait parce que un musicien ou a jouer une note dans un côté yo bo $200 américains. Bon, l'on semaine sous gain 4 jours, sous gain 5 jours. Quand il y a son question de gestion, je pense que la INAM tout wall nous tout c'est au fur et à mesure que n'a grandi, nous gain des séminaires, des ateliers que de formation que nous bral bail sous question gestion culturelle. C'est ça. Parce que faut que nous pas laguer musiciens, faut que nous aider, faut que nous entourer musiciens et nous bral travail tout pour nous renforcer. Qui veut dire que c'est pas et professeur pas nous seulement non et nous pas faire travail ça travail de formation pour nous renforcer formation dans domaine enseignement musical parce que ça très important nous pas capable c'est enseigner timonio n'importe qui gens c'est ça qu'on y a là on nous entre dans structure administrative Inamu donc qui ça Inamu est-ce que son institution est-ce que son programme est-ce que son projet donc qui ça Inamu véritablement Institut national de musique haïtien, c'est un programme et ministère de la culture qui est formé le 13 juin 2013, qui a une double vocation, une vocation d'insertion et puis une vocation de formation. Le ministère de la culture est gardé deux volets sérieux, dans tête collée avec deux partenaires qui sont le Venezuela, dans le cadre d'un programme vénézuélien avec Petro-Caribe, et puis les communautés et petits frères et sœurs, qui ont une réputation dans le travail social et puis dans le travail d'insertion jeune. Et j'aime dire l'INAMU, c'est un programme ministère de la culture qui a un double volet, un volet de formation et un volet d'insertion. Dans cette structure-là, nous avons un directeur technique, nous avons un directeur administratif, et puis nous avons une coordonnatrice pour nous, Jacques Mella. Nous avons deux cadres ministères qui servent d'interface, deux passerelles qui pour coordonner toute activité de l'INAMU, si on a équipe à bon pour dresser les deux cadres ça ou gagner une avelle. Parce que monsieur, si monsieur doit répondre comme ça, où est son équipe qui compte le programme? Qui maîtrise le programme? Qui maîtrise le programme. Et puis dans la structure, nous avons 23 professeurs, nous avons un agent de communication, et puis nous avons 11 employés de bureau central, et puis nous avons 16 manutentionnaires. Qui veut dire que son programme qui loue sous deux ministères. Et je pense que faut nous battre gros bravo pour la direction générale là, qui a un beau programme ça en vie. Grand pile gourmet qui fait Robin, pour Inamu Kabela. Et ils ont fait un bon choix. Les Inamu ont été handicapés. Ils ont fait choix de technicien dans le ministère de la culture pour assurer la continuité. Jusqu'à présent, tout le monde a marché. Au contraire, l'un dérivé en haut, tout ça. On dit genre des ordres, nous mettons l'ordre. Kounia la m'pense que même si on joue John Batala, Mbatala, nous parler en paix, nous connaissons que vraiment nous quittons structure organisée. C'est ça. Alors, Fritz Evans, ça te parlait de double vocation et Inamu, à savoir vocation de réinsertion sociale et puis vocation de formation. Vocation de formation, hein, nous avons toute structure là et nous avons comment disposition en fait, comment structure là qui répond à la vocation de formation, à savoir professeur Yokila. Mais pour vocation réinsertion, hein, qui professionnel nous gagne cap travail à Timon? Parce que former moun avec réinsérer moun sur le plan social, ce n'est pas même bagaille. Donc, comment nous aborder la question de réinsertion sociale là? Est-ce que par le fait que nous avons formé Timounio, c'est déjà dit que, en quelque sorte, après réinsérer, comment nous faisons ça? Donc, nous abordons déjà. Nous-mêmes, à travers la création que nous avons fait dans l'INAMU, nous faisons sensibilisation directe. Parce que si on va parler de délinquance, on musique sous délinquance qu'a sensibilisé. Et puis, chaque année, nous faisons appel avec psychologues, sociologues. Les travailleurs sociaux, tout. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a un travail qui est important, c'est que dans le choix du ministère de la culture fait pour vous sur le terrain, parce que John fait toute ville à travailler dans le domaine ça, qui veut dire que monsieur fait un travail impeccable avec Timounio. Je suis d'accord que Timounio est comme si son moule ou fait Timounio à battre dans le moule. Ils n'ont pas besoin de jouer, ils n'ont pas besoin. Alors, sans vous pas connaître, c'est pas un travail. Sans vous pas connaître, parce que si vous allez poser un bagage, ça veut pas. Et même frère Amand constaté, il dit que, pour année, il a mis un roi. Ils font comme ça, Timounio vient en belli. Timounio vient avec l'autre comportement. Parce que nous-mêmes, en Roland Inamu, c'est discipline. Des bouts de Timounio font pas dans le droit chemin ou pas là. Et Timounio, il a mis tout.
si vous ne pas de perdre place là il n'a alors de temps en temps on a fonti entre sorti ou ces musiciens Perigo qui est pas qu'on pense musique qu'a gagne sous la vie au monde. Wow, c'est même qui vous dire nous autres vivons bien là nous autres grand monde qui mourir là nous dit plus gros cadeau nous déca faire pour nous son musique pour nous composer pour lui et musique là immortaliser mon alors sous un musicien par exemple ou son musicien qui est fait pas qu'on est bataga explique ouais musique ouais, qui est difficile moi même expliquer, hein? Non il pas difficile m'pas bon menti moi même si m'pas faire musique m'pensais que m'taille sur mesure pour me faire musique parce que nous son nèg toute bagaille pour moi musique si pas exemple m'chita m'pa parler avec Jeff m'a parler à John John dit une phrase pour moi c'est musique lié phrase à quatre musique mais la musique là l'on parler de musique c'est pas un bagaille qui fermé. Ou elle a métier musique, ou on est grand doit interprète, liba compositeur. Ou mon doit compositeur, liba arrangeur. Est-ce vrai? La métier musique, hein? Tout en chaîne. C'est tout en chaîne. Qui veut dire que soit, si on a trois bails, ça me désolé, arrivé à trois, qu'on est son génie que lui. Musique, hein, pour moi-même qui vive de musique, et le songe l'aime d'entrer dans le ministère de la culture, m'entrer comme musicien. Qu'on y a bon fond à côté de John. John, en termes de qualité, qui ça nous propose à Timonio? C'est vrai que nous avons venu là et nous avons besoin de réinsérer, nous avons besoin de former, de faire une discipline, tout ça. Donc, faire éviter d'entrer dans la délinquance juvénile. Donc, mais est-ce que ça n'a pas offert son formation de qualité? Est-ce que le cas permet Timonio, après 10 ans, peut-être, dit il a gagné une ville avec musique? Est-ce que son bagage qui est potable? Pour toute formation musicale, je vais John rapidement. Toute formation musicale, je suis à sous toi bagage. L'on dit formation musicale, ou bien théorie, ou bien toute définition pour apprendre. Nous faisons ça dans l'INAMU. Formation instrumentale, par un petit monde dans l'INAMU, au point de vue posture, ou alors camper mal en instrument. Nous travaillons sur question gestuelle, manipulation instrument avec eux. Dernière, c'est pratique collective. Ou une pratique collective, là, c'est la réinsertion. Eh? Parce que le ou maï sou camper, il y a une discipline pour observer. Sans soit pas qu'à l'orchestre. Il y a méthode de l'orchestre. Alors, montrons que la pratique collective là seulement, si mon s'il pas appliqué principe, il va là. Moi, qui ajoute tout avec réponse Pierre Goua, qui sont très bonnes réponses, nous-mêmes, nous faisons une formation continue, professeur. Dans la collaboration avec Venezuela, il y a toujours voué de experts dans la musique, de professionnels dans la musique, qui font une formation continue, professeur. Et puis, nous-mêmes, tout dans le ministère Kilti, avant de lancer ce programme, nous avons un séminaire, nous avons fait tout, un séminaire de mise à niveau qui était fait. Et, en pile cadre et qui a fait coup dans l'INAMU, c'est le cadre de l'école, tout le monde connaît, et puis Saint-Trinité, tout ça. C'est que nous pas voulu bailler si nous parce que nous n'avons pas trop de moyens, formation au rabais. C'est que le ministère qui te prend le soin pour être capable de trier sur le volet de professionnels dans la question musique pour te bailler si nous formation. Pour le deuxième niveau, tu parles là dans la question insertion, tout ça. Et il faut me dire, le résultat est palpable parce que même dans la tenue, dans le comportement, dans la propreté, c'est que tout le monde a constaté dans la communauté que le monde vient pifrer. C'est monde qui est dans musique. C'est monde qui est dans musique, il vient pifrer. C'est que elle gagne fait sous parents tout que les parents viennent plus et devoir pour capable prendre soin de mon veiller sur de mon tout ça. C'est que même pour voler technique là même paiement témoigner ça, il dit il paye un paquet comme déjà pour apprendre mon jouer musique. Mais il pas jamais réussi faire ça. Mais lui ouais, il a mis dans 3 ans qui structure dans 3 ans si moun yo qui dans programme là c'est au même qui a vu dans toute l'église qui a vu dans tout entraînement c'est que quelque part c'est deux et a vu avec toute qualité c'est que effectivement nous commençons à jouer une fruit que ça l'état dépense l'état fait justement alors gros bail m'va dire Jeff tout pendant m'a pas approfondi sur ça l'autre jour me recevoir un coup de fil m'va prendre téléphone là téléphone m'a venir sonner quoi m'prend le même numéro m'va connait là m'prend et puis c'est un élève là inami que il dit, directeur, est-ce qu'on aime composer en musique? Besoin pour vérifier. Qui veut dire que, vingrin ou un gourmand, justement, la kainegyo pour création. Parce que, ouais, musique, c'est pas question de apprendre musique. Non, sont pas crier. C'est déjà un gros bail déjà. Et John Djouma, là, c'est vrai. Dans toute l'église, il y a ces musiciens, il a mis. Qui veut dire que, ou est résultat, c'est pas. Et puis, bon, l'autre barre encore, à part de résultat, il a mis comment c'est un pack et pas de demande. C'est ça. Plein école de musique. Mais alors, toute école de musique, ça a eu, tout jeu a tourné vers le ministère de la Culture, la question de l'INAMU. C'est ça. Parce que l'infrastructure en école, vous connaissez ça coûte plus cher. C'est instrument. Et puis, gestion instrument.
N'a privé là, mais avant de arriver là, Pierre Hugo, je dis là, gon reproche que souvent adressé à musicien haïtien. Musicien haïtien qui a un bon guitare, là, le fait parler, qui par contre, on trompette, on keyboard, mais li on partition, donc partition le fait là, on va contre ça du tout. Donc est-ce que vous avez garanti avec jeune étudiant ça que si vous arrivez devant partition dans orchestre là et puis il a déposé, il a même besoin qu'on entende des musiques là et déjà depuis au joindre partition et appeler musique là correctement et exécuter notre show. Ouais bah ça avec le temps vous capable faire. Mais moi-même m'a défendre musique c'est pas lorsqu'on lit musique ou joue musique. Non. Gen de nèg qui pas passé dans aucune université. Justement c'est ça m'a pissé. Il y a enseigné création nèg yo dans l'université. Ou prend Charlie Parker, ou prend John Coltrane, ou prend pas qu'être bon musicien. Mm-hmm. Et ceci pour qui ça me bat dit Nemo Jean-Baptiste. Avec le temps, Nemo vient apprendre. Alors, pensez son reproche qui est adressé à tort. Oui, à tort. Parce que, et gen de bagay. Il y a une chose qui est très importante dans la musique, c'est partition intérieure. C'est intérieur qui est bon. C'est le sens de la musique. Le sens de la musique, et puis intérieur là, qui joue capable, et comme si m'a dit, préparer intérieur, mm-hmm. c'est ça, il est là, écoute, soit attendu. C'est la culture de l'oreille. Et puis, c'est qui j'ont imprégné de musique. Tout. Si on est connu que on fait musique ou pas, j'aime dans des musiques ou pas imprégné de est-ce musique. Est-ce que ça veut dire que musique, là, t'as supposé, Jean-Mounio, comme dit dehors, son appel, son don, son talent que vous faites avec lui. Écoute. Donc, si vous pas fait avec talent, ça, ou pas qu'à jouer musique, quel que soit tout apprentissage. Écoute, moi-même, Bab dit donc, musique, c'est environnement. Soulever la caillou, ou jouer un piano la caillou. Ou bien, ou jouer un maman à jouer piano. Ou après le ou lever comme ça pour jouer piano parce que environnement musical c'est même monde qui attend yo si ou attend des classiques seulement ou bon vivre petit ou après mes classiques c'est comme ça musique musique c'est une question de intérieur bon mais il est toujours bon c'est pas des musiciens qui attend de là pas dire Pierre Hugo dit nous pas mais non ça pas dit pour autant que pour être un bon musicien faut qu'on passe par là faut qu'on passe là apprentissage lecture écriture. Mais, gon ti exemple nous qu'apprend. L'onti moun fait, qui ça le fait avant apprendre écrit, avant l'apprendre li. Y apprendre, écouter, apprendre dande. Est-ce que vous comprenez? C'est même genre, pour m'gab, bon exemple, musique la gen ça là dans l'eau. Ou on doit, au contraire, ça me constate, moun qui entre dans l'apprentissage musique sans yon pour passer par la lecture, y a les plus vite. Vous comprenez? Sans survin pi développé que l'autre monde qui allait directement. Mais monsieur Mbadine pour autant pour ne pas apprendre solfège, je me dis ça, apprendre les musiques. Yes. Capable ajouter sous réponse Pierre Goubay là, pas oublier nous dans le domaine artistique, musique c'est art. C'est que quelque part effectivement, c'est pas tout le temps ce monde qui compte toute technique qui puis avancer. C'est que art là lui-même monde qu'on nomme tout. C'est que l'on dans le domaine artistique, on aime, c'est que l'on sent-il bien dans le domaine. Là. Il est prégné de. Effectivement, de c'est que là, c'est l'imagination, c'est l'âme. C'est que quelque part, même si l'on ne doit pas trop avancer dans la question technique, mais l'on a son grand musicien. Et il ne faut pas négliger ça. C'est avantage, ça, Inamugé, parce qu'il y a des artistes qui dirigent. C'est que qu'ils comprennent le niveau, ça, tout. Ils comprennent le niveau académique, là, il faut qu'on informe théoriquement, tout ça, mais ils comprennent le niveau imaginatif, la question artistique, là. Comprendre niveau ça. C'est ça. Alors, nous pratiquement pour le refaire, mais première tranche, Paul Kilti là, et nous avons retourné avec de l'autre question et tout à l'heure. Donc, nous avons dit merci à Jano, qui a assisté nous là, Fritje à Jano, qui participait dans la conception et numéro ça aujourd'hui là. Nous avons commencé à découvrir un série de programmes, un série de projets que le ministère de la Culture a pu entreprendre. Parce que la perception, c'est quoi? La perception, c'est que le ministère de la Culture, c'est dans le carnaval lié, c'est dans l'arabe, ou bien fête champêtre lié. Donc, je vous dis, en grand pile, le monde peut-être cap saisi, tandis que le ministère de la Culture a un programme comme ça, cap travail avec jeunes, qui travaillent pour réinsertion, pour formation jeune. Donc, nous avons tourné tout à l'heure. Nous avons fait un peu de choses, nous avons tourné tout à l'heure. Nous avons observé, on pose. Je pense que j'ai gagné deux, trois extraits, musique et Timouni Namuyo dans l'archive. Je vais regarder ce que je vais faire. Nous avons fait un peu d'auditeur au Vivli et nous avons tourné tout à l'heure.
Zami auditeur, nous tournons avec deuxième tranche Powell Guilty, dans la édition salle consacrée à présentation INAMU, qui c'est Institut National de Musique d'Haïti. Donc son institut que vous apprenez, qu'on est son programme que vous découvrez, donc son programme du ministère de la Culture et de la Communication, qui commençait depuis 2013, mais qui était lancé véritablement en 2014 et sous ministre Josette D'Auguste. Donc je dis en là, cheminement INAMU, donc nous-mêmes qui c'est de cadre dans le ministère de la Culture, qui c'est de artistes tout, c'est musiciens, que ce soit dans, bon, c'est artistes, que ce soit dans musique ou bien dans théâtre. Donc nous-mêmes, nous suivons cheminement et INAMU. Qui est plus grosse satisfaction nous, jusqu'à date? Nous en 2017, je dis. J'ai plus grosse satisfaction. Nous, t'es une perturbation dans INAMU. Et puis, directeur général là. Monsieur Jean-Michel Lapin. Non, il n'est pas de co-directeur. C'est ça, oui? Directeur général, c'est ça. Directeur général a dit, bon, qui est capable de résoudre le problème turbulent ça? Et puis monsieur, je regarde le cadre que le gagnant, il dit bon, je fais choix de Fritz Evans, Moïse. Baron dit Baldovin. Je fais choix de Baldovin, on l'autre confrère, nous, Jean-Marie Philidor. Ok. Et puis de moi-même. Et puis on voit une souterrain pour nous suivre. Tension ça. Mon cher Henry, il y a un problème. Depuis nous paraître, nous avons dit mais yo, et comme si m'a dit, monsieur ça a vint craser bagarre. Et puis, un bon professionnel, nous suivons l'évolution INAMU. Et puis, bah, la vine arrive dans le stade côté vine démission, directeur qui vient. Et puis, nous avons dit que le papa prend le monde dur. Il y a pas de monde dedans pour gérer la question. Depuis, nous avons choisi le monde dedans. Nous n'avons pas dit que tout le monde marche sans sous-sang. Mais INAMU commence à prendre forme. Retourner sous rail. Nous avons une direction que nous allons aller. Nous, ouais, qui bon m'rale, hein? Et ceci, son seul bail qui carité. Si demain, vous allez lever, vous dites, bon, programme ça, l'État haïtien va subventionner encore. Le ça, on a dit nous-mêmes. Et je pense que John Avem, nous devons être à l'aise. Parce que nous faisons un travail professionnel. Nous passons, nous faisons ça pour nous défaire. Et je pense que nous ne pouvons pas quitter l'inche sans nous ne pouvons pas quitter l'inche. Grosse satisfaction nous gagnons dans l'équipe INAMU, c'est que le programme a été fait pour deux. Moun qui pas rempli le moins de moun pour la population et plateau central là et qui pas capable de payer en musique, mais l'autre moun la population qui plus ou moins aisé a regardé qualité programme et j'ai programme d'avancer. C'est pas débarrer dans bail ou rabais, j'aime tout à l'heure. C'est que toute catégorie sociale yo vienne voir petit dans l'école là, parce que yo senti son bail sérieux fait. Généralement nous connaît l'État pas gagne bonne presse, mais ça, dans la collaboration avec la communauté petits frères et sœurs, nous montrer que l'État a fait des bagages sérieux dans le pays. C'est ça. Alors, pendant que nous parlons là, il y a des gens qui disent, oh, côté programme, ça et comment je fais pour m'intégrer, parce qu'on est petit moins, ou bien comment je peux intégrer dans le programme ça tout. Donc, nous parlons surtout de Pandiasso, de Hench. Donc, toute première cellule, nous, est-ce que, bon, normalement, première cellule, là, c'est dans Hench lié, mais est-ce que nous prévoyons rester seulement dans Hench, dans le niveau ça? Est-ce que nous avons de l'autre noyau dans de l'autre zone tout? Du moins, après ça, m'a tourné sur comment critérioyer pour mon intégrer question. Nous avons deux autres noyaux. Nous avons noyau actuellement Jacques Mel. Nous avons l'autre noyau Marmelade. Très prochainement, là, nous allons faire une remise symbolique, instrument. Noyau Marmelade, là, on va commencer. Mais il y a deux mains sous Port-au-Prince. Il y a une mairie de Port-au-Prince qui a aimé entrer dans le programme comme ça. Très prochainement, on va voir les techniciens ministère culturel garder infrastructure aussi au côté vraiment. Si on peut répondre à exigence INAMU. Et puis on a Marie Goto qui veut dire que INAMU commence à avoir un impact, commence à avoir un rayonnement vraiment sur la population haïtienne. Mais Port-au-Prince, pensez à Nessa, Port-au-Prince a bien un noyau. Pas de noyau, cette unité, tout. Demande cette unité. N'a pas travaillé avec cette unité. Comme moi, je dis que Johnson dit un bagage là, c'est vrai, musique, conseil d'instruments pour apprendre son bagage qui est très élitiste. C'est fort qu'un cop. Pour violon. Mais ah, sous prend violoncelle. Qui veut dire que quand tu es un hinche, tu n'as pas l'espoir pour jouer à violoncelle. Ça, c'est notre bagage. Ou est-ce que tu as joué? L'autre, est-ce que tu as joué province qui chita qui a joué un violoncelle? C'est quoi ça fait? Moi-même, mais sincèrement, INAMU, je pense que c'est une plus grosse révolution qu'a faite actuellement. Tu vois, c'est une plus grosse réussite dans le ministère à tout.
Ah ouais, moi-même, si je parle pour me dire, et John. Alors, me dit Youn, hein? Pour me dire Youn. Parce que Edion, elle a fait, parce que c'est parce que. Comme c'est question posée, pas affirmatif. Non, je connais, parce que moi-même, je fouille les zones à Kalalou. Bon, moi-même, je pense que c'est une initiative. Yeah, c'est ça. Je pense que c'est pas. On va qui parle pas, c'est pas John, parce que même l'État, l'État fait de grandes activités officielles, il est toujours invité de Simon Inami ou venir performer. C'est que le résultat est clair. C'est que et nous-mêmes, nous ne voulons pas rester sous réussite. Nous voulons continuer à renforcer sa guerre. C'est ça que fait le ministère ouvert à Jacques Mel avec des Sèvres Baptiste, le ministère ouvert à Mamlad, et puis le ministère a supporté tout. Et puis l'école de Mouja Baptiste qui m'a dit ça. C'est ça. C'est que le ministère a lu dans cette question insertion, formation, le ministère a avancé là-dedans. Et puis nous pensons avec Port-au-Prince, qui est un département qui est très important, et nous travaillons avec de l'école pour nous faire ça. C'est ça. Alors, il y a un bagage qui est important pour nous connaître aujourd'hui, là, c'est que c'est le petit monde que nous travaillons avec eux, c'est l'instrument que nous avons besoin pour le petit monde. On parle de violoncelle, on parle de violon, on parle de guitare, on parle de piano, d'un ensemble d'instruments. Donc, aujourd'hui, là, faut que nous gagnions instrument yo, faut que nous payer formation hein, parce que c'est pas nous mêmes qui bail formation hein, même si c'est à nous mêmes faut que ça t'a doué gon coup, d'autant plus que déplacement inch Port-au-Prince de temps en temps, donc c'est pas dans capital là que ça est. Dieu merci, parce que toute bagaille gagne souvent tendance cantonner dans Port-au-Prince là. Jodi là fond yo qui ça yo yé, assistance financière yo qui ça yo yé, pour Inamu continuer à fonctionner. Et ça, c'est vous, les zones à Kalalou, non bien. Est-ce que Venezuela, toujours là? Écoutez, très bien, très bien. Belle question. Pour vous, les fonds, yo, c'est on leur a invité à l'administrateur. Okay. Et ça fait, ouais, nous-mêmes qui l'ont structuré Inamu, hein, nous-mêmes, nous avons la question académique. Mais depuis son bail, il y a un rapport. Administration. Avec administration. Je ne comprends pas. On va nous possibilité pour nous saluer l'administrateur, Télémac. Jean-René Télémac. Jean-René Télémac qui a fait un bon travail. Et je ne dis pas, c'est nous tous, support qui commence avec question matérielle, c'est Venezuela. Mais le ministère a débrouillé, comme Jean-Jacques, chercher fonds pour nous manger, nous payer professeurs, tout ça, dans collaboration avec la communauté Petit Frères et Sœurs. Vous voulez ça, n'a pas de souci. Pas oublier, pendant 3 jours de fonctionnement, nous avons une amie, on n'est pas chaud. Ben justement. Oui, le bâtiment on n'est pas chaud. Qui veut dire que, et accompagnement ça, dynamiser Timounio. Parce que, vous pouvez imaginer, il y a deux Timounio qui sont venus dans une amie. Après, vous pouvez parler de la caillou. Vous avez senti que vous avez incorporé dans. Alors, tout à l'heure, on a parlé de quelques activités récréatives que nous avons en main pour vous, tant qu'on camp d'été. Donc, c'est des bagages qui permettent que Timounio fidélise ou à l'institut. Non, non seulement ça, tout. Et puis, nous avons travaillé sur la programmation année ça, si pas une turbulence politique, vraiment, si nous atteignons l'objectif, c'est déjà un gros bail. Nous même envisagé pour nous faire des tournées, même tournées nous avons fait avec M. Venezuela dans les écoles de Hinch. Vous comprenez? Et puis sur des thèmes bien précis, en soit environnement, sur des barres qui ont intéressé Timounio. Parce que c'est une nouveauté qui vient dans Inamu. Inamu, il y a un créateur là-dedans. Un créateur. Ce n'est pas apprendre Timounio jouer musique, mais un créateur qui a composé musique sur mesure pour sensibiliser. C'est ça. On va aller rapidement sur ce point. Je dis combien Timoun nous gagnons dans Inamu, du moins de 2014 à aujourd'hui, combien de promotions que nous avons gagnées. Par contre, comment nous gérer la question ça, question. Question promotion. Et puis, pour un petit monde peut-être qui n'a pas ou bien qui n'a pas l'autre zone, qui peut-être gagne noyau, tant que Jacques Mel nous sommes parlé là, intégrer l'institut ça, comment critérioyer, comment démarcher pour lui? Pour première question, pour question de promotion, nous ne pouvons pas une promotion. C'est à Nessa, nous parlons de promotion. Première promotion. Parce que, forme du. Combien de monde est là donne? Critère, nous avons 46 Simon. Forme de critères et loi font école de musique. Critères pour gain promotion là-dedans. Nous-mêmes, quoi, nous allons vite. Tu as pour gain promotion, non? Pour mon intégrer l'inscription, tout non, ça. Non, je ne parle pas de ça, non. Je parle que les critères, là, ils veillent dans le jardin musical seulement. Ou bien pour passer 3 ans à 4 ans. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a l'eau, ou sous l'initiation pour aller intermédiaire, pour aller débutant, pour aller intermédiaire, pour aller avancer, ou on vient de l'autre 4 ans encore. Mais comme nous-mêmes, dans le cursus académique, nous pas vraiment
rete sous ça au mandé. Est-ce que vous comprenez? Et bon, pour critère là m'a passé John. Ouais, c'est que nous pas inscrit nous dans logique traditionnelle parce que nous voulons adapter et apprentissage musique là avec selon réalité pays à tout. C'est que nous gagnons un cycle de 4 ans. C'est que il y a une question et jardin musical, il y a une question et initiation musicale et puis il y a un niveau et intermédiaire là et puis il y a un niveau avancé. Le niveau avancé là, c'est niveau moyen et pour mon musicien. C'est que dans ce sens ça nous fait graduation, première promotion mais même si une fin graduation, si nous nous pral continuer avec lui en formation continue. Continue et puis si mon doit venir dans orchestre et philharmonique et Inamur. C'est que nous essayer adapter et programme là avec qualité ya et pendant que la baie on formation de qualité pour question et nombre de timoun yo varié de 600 à 800 mais nous gain 600 qui stable. C'est ça qui est stable parce que nous connaissons dans toute entreprise académique, il y a des timons qui commencent et qui ne sont pas finis. Mais nous gagnons un nombre stable qui est 106 centimes. Alors nous pratiquement pour arriver dans la dernière ligne droite entretien ça matin hein, et sous l'Institut national de musique, INAMU, ce qui est un programme du ministère de la Culture. Alors particulièrement pour nous-mêmes, monsieur, nous sommes des artistes, nous sommes dans le secteur, nous sommes dans le milieu culturel. Là. Alors il y a des questions qui sont particulières à nous-mêmes. John surtout qui n'a question et de la scène qui n'a théâtre et il y a des petites questions qui a venu pour vous qui peut-être pas bien rapport avec INAMU. Donc events dis-nous jodi un pays un pas gon salle de spectacle qui répond à norme yo qui ça ça dit ou même qui n'a question spectacle et moi je pense que son bail qui triste et moi c'est plus gros déficit que pays a fait parce que pays a gagné question artistique le produit en pile ressources en pile ressources parce que c'est un domaine mon n'a pas besoin trop gros moyens pour capable un artiste mais nous connaît et une bagarre qui fait artiste plus performant c'est question prestation là je une possibilité pour exprimer ario c'est que et moi pense que nous les était positif et si nous avons l'État en conseil, c'est qu'il faut investir dans l'infrastructure culturelle. Comment investir dans l'artisanat, mais c'est un espace, une infrastructure pour être capable d'exprimer. Et là, ça a payé à vendre bien. Et à l'étranger, à venir à des spectacles toute la journée, c'est que l'artiste avait une possibilité pour le dégager là avec ça le confère. C'est que moi je pense que faut l'État investir plus dans la question domaine artistique, surtout hors de la scène. C'est ça. Alors, une question particulière pour Pierre Hugo, qui sont musiciens. Je dis, en musique haïtienne, il peine à sauter verrou marché international. Là. Donc, qui ça s'adjoue en tant que musicien? Je veux dire, musique noire, pas vle rive loin, malgré tout ça qu'a fait, tout, par contre, on est détiré qu'a fait, tout effort qu'a fait, donc musique là, pourquoi qu'a véritablement atteint le marché international? Là. Écoute, bah là, ça n'a vive qu'on y a là, son question de mode, qui je qu'on y a, nous en mode, musique rap qui veut dire que ou musique tant qu'on compare direct là c'est musique nous qui baille plus clientèle il pas cap survivre raison qui fait que nego vient dépasser il faut que nego dans création yo marier ça à la mode pour cap produire une nouvelle création parce que jeune kounya jeune pas rien en tant qu'en Haïti jeune pas grand pile pouvoir d'achat mais on regarde qui musique yo consommer. Le besoin d'acheter une musique qui correspond à l'état d'âme, fait ça. Mais est-ce que nous ne pouvons pas dire tout que c'est à cause d'influence industrie culturelle yo? Parce que nous avons une position de faiblesse par rapport à eux-mêmes. Les industries culturelles, de grosses industries internationales, donc qui envahissent nous. Donc ça fait que. Ça. Dès que vous faites bon, eux-mêmes, ils ont marché. Je dis, il y a parlé en pile de Rabodaï qui sont bien sûr, pas forcément sortis internationales. Dès que vous faites bien, ils ont marché. Parce que le problème qui vient, ou bas ou ça même support, il commence à changer. Justement. C'est de commencer par la mode. Qui veut dire que, il y a 20 musiques en réseau, sur réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des qui sont très traditionnels qui ne peuvent pas entrer là. Je dis, on a fait musique dans le studio, ils voient le bail en groupe WhatsApp et puis musique dans la station de radio. Bien sûr, je ne veux pas accepter pour ne pas mixer sur téléphone. Mais actuellement, c'est ça qu'a fait. Obligé. C'est ça qu'a fait. Qui veut dire, il y a des supports, il y a des musiciens là qui n'ont pas d'information. Donc, si le bail a changé, même quand je regarde, ils font musique, même si vous avez une qualité, ils prennent il y a plus qualité. Non, mais je dis à Gampil, spot. Jingle qui a enregistré, mon nom fait sous téléphone avec un logiciel, une application sous téléphone, et puis il voit dans le studio, il fait des coupages. Et puis, Je me disais, tout le monde là, longtemps, un producteur qui est dans le studio, Alphonse CD. Le monde, c'est lui-même qui fait la production.
tout bas ça a changé. Musicien qui pensait que je dis un musicien yo pas adapté à mutation ça a cap fait non. Qui en pile musicien jeune yo puis adapté yo parce que yo gain information, yo grand d'information. L'autre bagarre. Alors faut que moi dis moun cap bonne leçon adapté nous à nouvelle technologie yo là, son moun tête blanche en pile. Parce que problème qui gain et kounama doit faire musique. John juste côté il y a dans doit en Asie. Et puis me dit monsieur comme ça me bon texte c'est voix ou yo là me voulait dire justement et puis monsieur fait son téléphone il voit le moment il fait quel que soit le studio il voit le moment mais il y a des qui pas quoi la technologie ça alors kounya producteur producteur c'est chito la caillou ou pour ton bail bail depuis le bon ou bon bon bah j'aimerais dire pour nous finir rapidement une musique qui cartonné et qui pour peut-être je veux dire considérer donc une musique qui plus populaire bon qui était plus populaire pendant l'été donc son musique portoricaine il est Despacito donc moi-même trouvais que son musique qui est ordinaire en tant que toute musique que me contentais mais son musique qui fait le tour du monde je veux dire qui ça qui expliquait que nous pour qu'on arrive à nos niveaux de création côté une cargo musique qui est capable d'arriver sous tout le monde sur planète là. Est-ce que c'est parce que nous pas qu'à franchir barrière c'est un manque de diffusion, manque de promotion. On parle d'un canal comme si gain de canal des pour balader gain de réseau des pour balader ou pas partenaire objectif. Ou en Haïti, chance que nous gain en Haïti au point de vue et musique création musique traditionnelle seulement. On pas besoin de composer musique. On pas besoin de composer. Nous tellement gon richesse rythmique. En Haïti, m'gen côté pour mal fourrer mais pour me prendre ça, pour me prendre ça. Pas besoin faire ça. C'est ça. Pas besoin faire ça. Oui, et moi c'est un aspect Pierre Gauthier parlé qui est important plus c'est question ou moderniser musique là parce que qui sont roll beat c'est qu'il faut rentrer là dedans parce que gon expérience c'est ça pas dénaturer musique non gon expérience qui a commencé ou qui sont rap scene c'est musique racine pour les rap soul c'est qu'ils sont expérience qui a commencé marcher mais monsieur yo manqué intelligence ça bon il faut nous continuer dans voir ça c'est bien good il faut nous faire l'autre ouverture avec de l'autre musique mondiale je dis en musique là gain 60 ans pour qu'on ca fanyen donc si on ca modifier le que modifier là non effectivement on a prêté avec base là mais faut nous ouverture bien entendu c'est ça on va oublier dans rien actuellement on va pas dire en valo pour c'est nagos et pendant on a parlé de compas il y a Cuba me croyo gon style qui les compas qui relé compas tout donc l'autre jour me débat ça fait sur Twitter donc yo même yo dit yo gon style musical qui les compas donc si n'a dit compas c'est pour nous aujourd'hui là qui pas enregistré peut-être en ken côté donc nous ca levons bon matin puis ne pas gain compas encore quel que soit approche rythmique nèg doit faire n'en doit mettre non n'en doit signer soudé mais pas gain on nèg qui crée pas un monde qui crée un rythme vraiment c'est ça rythme là c'est premier élément lié dans musique là qui veut dire que c'est basique là on pas faire un rythme on doit faire une compilation c'est ça merci beaucoup monsieur c'est un plaisir pour te recevoir nous dans émission Parole qu'il dit après plo qui sont émission que ministère de la culture proposé dans tête collée avec Radio Nationale donc c'est un plaisir pour te parler aujourd'hui hein, sur Inamu qui sont programme dans ministère de la culture Inamu sont initiative côté nous travail dans réinsertion jeune travail dans formation jeune sur plan musical donc nous te gain avec nous dans studio aujourd'hui pour parler de l'institut ça Pierre Hugo Chéri qui sont cadres dans le ministère de la culture et qui sont musiciens tout nous avons gagné avec nous tout Fritz Evans Moïse qui sont cadres dans le ministère de la culture qui travaillent sur le programme là et qui sont artistes dans la question théâtre tout donc c'est un plaisir nous espérons que vous arrivez à découvrir l'institut ça cap travail dans la formation jeune et dans la question musique nous bon rendez-vous pour une autre édition Parole qu'il dit pour vendredi cap venir là monde qui t'a présenté l'émission ça c'est Jeff Lefebvre merci à Fritz Gérald Janot qui t'a assisté nous dans niveau coordination merci à Kens qui Anselme qui t'a fait manœuvre technique pour nous et n'a salué encore une fois toute staff direction communication qui travaille qui mobilisé pour émission ça arriver possible. C'est un plaisir, bye bye tout le monde, n'a croisé l'autre fois. Chaque vendredi sorti 3h pour arriver 4h après-midi, direction communication ministère Kilti pote pour vous, Parole Kilti sur antenne Radio Nationale d'Haïti. Parole Kilti, c'est un magazine culturel côté tout acteur qui concerné dans affaires Kilti pays d'Haïti a brassé l'idée sur évolution sectaire. Parole Kilti. Parole Kilti. Une tribune pour nous informer à nous calfou pour nous discuter sur rôle et contribution Kilti dans renforcer l'identité nous comme peuple. Parole Kilti après passer chaque jeudi, sorti 5h pour arriver 6h du matin. Parole Kilti nous, c'est parole nous croit, ça nous qu'on fait, avec ça nous y est.